Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, tout en vous souhaitant d'être richement bénis par le Seigneur et qu'il ouvre largement vos cœurs pour que vous puissiez recevoir la semence de vie qui sera semée dans vos cœurs. Merci pour l'attention que vous nous accordez, merci pour avoir choisi de nous suivre en ce jour. Et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il vous accorde réellement le désir profond de votre cœur. Et la chose principale que je puisse vous souhaiter, c'est d'expérimenter le salut qu'il a préparé d'avance pour ceux qu'il a aimés avant même que le monde ne fût. Ainsi, nous disons merci à chacun de vous pour vos soutiens, pour vos prières, pour vos soutiens matériels, pour vos soutiens financiers, pour que ces émissions ne puissent pas s'arrêter. Ces émissions vont très loin. Et au travers de l'Internet, ces émissions vont pratiquement dans le monde entier. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que réellement que la parole de Dieu vous soit révélée et qu'elle puisse pénétrer vos cœurs, qu'elle puisse pénétrer vos âmes de part en part et qu'elle puisse vous apporter cette vie nouvelle, cette vie qui est en Christ et cette vie sans laquelle personne ne paraîtra devant lui afin que vous puissiez hériter la vie éternelle et vivre éternellement. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit la couleur de votre peau, j'ai dit tout le temps que Dieu vous aime et la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et comme Pilate avait posé la question à Jésus, qu'est-ce que c'est que la vérité? Et Jésus n'avait pas répondu. Mais moi, je peux vous répondre selon Jean 17, verset 17, que la vérité, c'est la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu nous dit la vérité, tout le reste ne sont que de mensonges, parfois habilement conçus, habilement habillés pour tromper les gens. Mais il n'y a que Dieu qui est le véritable. Et la Bible dit que tout homme sera reconnu pour menteur et que Dieu seul pour le véritable. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Comme vous avez choisi de nous suivre aujourd'hui, sachez que ces émissions s'intitulent « L'heure de vérité ». Ce n'est pas l'heure du mensonge, ce n'est pas l'heure de la falsification. C'est l'heure où les choses vraies vous sont dites. Et au travers de ce que nous disons, vous pouvez expérimenter ce que Dieu a promis pour cette heure. C'est-à-dire, ce qu'il a promis, c'est le salut. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et si ces émissions vous atteignent sur n'importe quel continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, en Papouasie, que ce soit au proche Moyen-Orient, que ce soit en Extrême-Orient, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Parce que la parole de Dieu, elle est la seule qui véhicule la bénédiction, elle est la seule qui véhicule la vie. Et quand vous la recevez dans tout votre cœur, et la vie qui est dans cette parole peut vous être transfusée ou transférée dans votre cœur. Et vous allez voir que vous allez devenir une autre personne, vous allez devenir une personne nouvelle en Christ. Et votre vie sera totalement changée. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et autour de vos petits écrans pour suivre cette émission. Et que la grâce du Tout-Puissant fasse que chacun puisse entendre la parole de la bonne manière et que vous puissiez expérimenter les merveilles qui sont dans sa parole. Et la première expérience que vous pouvez expérimenter avec Dieu, c'est réellement de naître de nouveau, de naître d'une nouvelle vie. Et vous savez, dans la première naissance, nous avons nos parents terrestres qui sont là, nous avons tous un papa, une maman, mais dans la nouvelle naissance, je peux dire, là, il n'y a que Dieu qui est notre géniteur, celui qui nous engendre par sa semence incorruptible, et par son esprit qui vient sur cette semence, et cela produit en nous une nouvelle vie. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Soyez réellement attentifs, et accrochez-vous à la parole de Dieu, accrochez-vous à ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme que je suis, ne retenez pas ça. Mais si vous trouvez que cela vient de la parole de Dieu, accrochez-vous à ça, parce que dans cela se trouve la vie, et la vie et la lumière des hommes. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous allons lui demander à lui de nous parler et de nous inspirer et de nous ouvrir le cœur
et afin que nous puissions entendre réellement ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Est-ce que nous bénisse pendant qu'une fois nous allons nous attendre à lui et nous demandons à lui seul de nous parler. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vrai que dans ce temps, comme dans beaucoup de temps, surtout dans les temps de la fin, il y a plusieurs voix qui se lèvent, plusieurs voix qui parlent et plusieurs voix qui déclarent être la vérité. Mais je peux vous dire que dans ces derniers temps où nous sommes, il n'y a qu'une seule voix, la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et c'est la seule voix qui nous dit vraiment la vérité, qui nous dit d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et nous voyons que beaucoup de gens ne prêtent pas attention à cela parce que l'ennemi aussi parle. Il y a des gens, quand ils ont un songe, directement, ils pensent que c'est Dieu qui leur a parlé. Quand ils entendent une voix, ils sont convaincus que c'est Dieu qui leur a parlé. Mais parfois, l'ennemi utilise les mêmes voix pour parler aux gens. Et si vous ne faites pas attention, vous serez entraîné dans des choses de néant. Et parfois, des choses qui peuvent vous amener jusqu'à votre mort. Vous comprenez? Vous devez éprouver toutes choses par la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui est contenue dans cette Bible. Si quelqu'un vient à vous et ne parle pas comme parle cette Bible, alors ne l'écoutez même pas. Vous comprenez? L'apôtre Jean disait que si quelqu'un ne vous amène pas cette doctrine, ne le recevez même pas dans votre maison, ne lui dites même pas salut, parce que celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ainsi, nous sommes en train de parler du message biblique de Dieu pour ce temps dans lequel nous vivons. Comprenez? Et Dieu a un message pour ce temps. Heureuse la personne, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Vous comprenez? Et quand il reconnaît le son de la trompette, il sait comment marcher au son de cette trompette. Et quand vous marchez au son de cette trompette, vous allez alors mener une vie qui soit agréable à Dieu, qui soit un parfum de bonne odeur. Beaucoup ne savent pas en quel temps nous vivons. Beaucoup ne connaissent pas le message du jour et beaucoup sont très religieux, mais la religion n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Il y a plusieurs religions sur la terre, mais toutes les religions ne viennent pas de Dieu. Vous comprenez? Et nous parlons du message. Il y a un seul message. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et le message biblique, le message de Dieu, ce n'est pas le message d'un prophète, ce n'est pas le message de William Branham. Non, c'est le message de Dieu tel qu'il fut dit. Qu'il fit dire à William Branham, le 11 juin 1933, là dans le fleuve Ohio, pendant qu'il baptisait, il lui a été dit que de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui n'est pas ton message, qui est le message de Dieu, et ce message préparera ou sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, et c'est ce message qui préparera une épouse pour notre époux qui va bientôt apparaître dans les airs. Et nous voyons que, au travers de ce message, nous avons vu beaucoup de choses, mais nous sommes dans la partie où nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 9, voilà ce qui est écrit dans Romains chapitre 9, au verset 28, il est écrit: car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il ne va pas exécuter en partie, il va exécuter pleinement, c'est-à-dire dans la globalité, dans l'entièreté, et promptement, c'est-à-dire au temps marqué, tout ce qu'il a résolu de faire sur cette terre. Et ceux qui sont de Dieu, ils veillent sur la parole prophétique pour savoir en quel temps ils vivent et quel est le message de Dieu pour cette heure. Et beaucoup, ils sont très religieux, ils vont dans les églises. Leur problème, ce sont des sorciers. Ils ne connaissent que les sorciers. Leur problème, c'est de chercher le mariage. Leur problème, c'est de chercher à avoir des enfants. Leur problème, c'est de chercher la prospérité matérielle. Mais quand vous leur posez la question, prédicateur, quel est le message de Dieu pour cette heure? Ils sont incapables de vous répondre. Et c'est ce message-là, qui est le message de l'heure, qui prépare une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, pour aller vers son époux dans les airs. C'est elle seule qui prendra part à l'enlèvement. Tous ceux qui sont très religieux, c'est vrai, c'est comme l'apôtre Paul,
Il est arrivé un jour à Athènes, c'est dans Actes chapitre 17, et il a trouvé que les Athéniens, ils étaient très religieux et ils étaient très, 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 comment je veux dire, ils avaient beaucoup de dévotion. Et regardez ce qu'il leur dit dans Actes chapitre 17, verset 22, parce que les Athéniens, ils avaient, les Grecs ont cette maladie de beaucoup discuter. Et ils allaient dans des aéropages qui sont comme des stades, et là ils se mettaient là-bas pour seulement pour échanger. C'est comme ça que les philosophes grecs étaient, c'est comme ça que Socrate était, c'est comme ça que Platon était, c'est comme ça que tous les autres qui ont suivi étaient. Et l'apôtre Paul est en Athènes, et regardez ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit au verset 22, jusque même au verset où, je vais aller, je vais m'arrêter, et il dit que Paul est debout au milieu de l'aéropage. Dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, mais extrêmement religieux dans l'erreur, vous comprenez, je vous trouve extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion ou les objets de votre adoration, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement de dieux. Alors ils ont fait un autel en disant peut-être qu'il y a un dieu que nous ne connaissons pas. On va lui dédier cet autel à un dieu inconnu. Ce que vous révélez sans le connaître, c'est que je vous annonce. Comprenez? Et continue verset 24. Le dieu qui a fait le monde, le dieu au singulier, et tout ce qui s'y trouve, étant le seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Parce qu'ils avaient des temples pour chaque dieu. Et ils avaient des temples pour Aphrodite, des temples pour Vénus, des temples pour Apollon, et des temples pour ceci, pour Zeus. Ils avaient des temples pour chaque dieu. Donc Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Écoutez, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car, verset 28, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est là ce que dit quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Les Grecs étaient des polythéistes, ils avaient plusieurs dieux. Mais voici que Paul leur annonce le Dieu unique, celui qui a créé les cieux et la terre. Alors c'est pourquoi je vous dis que la religion ne sauve pas. La religion c'est une couverture. La religion c'est comme un calmant que les gens prennent pour se sentir bien. Comme les gens qui prennent de la drogue, ils prennent de l'héroïne, ils prennent du chanvre, ils se sentent bien. Mais ce bien-là, cette sensation, elle est passagère. Mais nous voulons une religion qui vous met en contact avec le Créateur. Et en ce moment-là, vous allez expérimenter le salut que Dieu a préparé d'avance pour ceux qu'il a connus avant que le monde ne fût. Et nous sommes arrivés en parlant des prophéties qui s'accomplissent à notre temps. Nous sommes arrivés au cinquième point, selon notre petit plan, en parlant du rétablissement d'Israël en tant qu'État et en tant que nation, et de l'avènement des nouveaux États. Et là, la fois passée, nous avons achevé cette particularité de la ville de Jérusalem, et nous avons montré pourquoi le monde entier, beaucoup des nations, se précipitent à Jérusalem. Chacun va avoir sa part du gâteau à Jérusalem. Et nous avons vu que le Seigneur a dit que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Quiconque tentera de la soulever sera écrasé par elle. Nous voyons que même aujourd'hui, on se dispute Jérusalem. Les Juifs avec les Palestiniens se disputent Jérusalem. Vous comprenez? Mais sachez que Jérusalem a toujours été et sera toujours la capitale indivisible d'Israël. Que
personne ne vienne me prouver le contraire. Les Saintes Écritures nous montrent comment Jérusalem a été la capitale d'Israël depuis David et comment de cette ville, Dieu a dit dans 1 Roi chapitre 11 verset 23 que c'est la ville que moi j'ai choisie. C'est la ville de Dieu. Malheur à quiconque veut partager Jérusalem, malheur à quiconque veut faire de Jérusalem et un objet de convoitise pour aller prendre des terrains là-bas. Et nous voyons que le Palestinien dit, écoutez, nous voulons un État qui nous appartienne, mais ça, ce n'est pas un problème pour avoir un État, mais ils exigent que avec Jérusalem comme capitale. C'est là où ça ne marche pas avec les Juifs, avec Israël, parce que Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Jérusalem, c'est la capitale. Du temps où David était à Jérusalem, il y a peu de 3000 ans, et il n'y avait pas des Philistins qui étaient à côté, qui avaient aussi comme capitale Jérusalem. Vous comprenez? Pendant des siècles, cette ville a appartenu uniquement au peuple d'Israël, et ils ont été dispersés depuis l'an 70 par Titus, quand il est venu détruire la ville de Jérusalem, et qu'il a amené des Juifs captifs jusqu'à Rome. Et nous voyons qu'ils ont été dispersés dans le monde entier. Vous comprenez? Mais Dieu a les regards tournés vers Jérusalem. Et Jérusalem ne sera pas une ville païenne. Mais Jérusalem, c'est la ville que Dieu a promis. Je vous ai dit que c'est là où l'Église a commencé. C'est à Jérusalem que la première prédication du Nouveau Testament a été apportée. C'est à Jérusalem que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois pour habiter dans son Église. C'est à Jérusalem qu'il descendra, la Jérusalem céleste. C'est là où il descendra et ne descendra pas ni en Afrique, ni en Europe, ni partout, ni aux États-Unis. Mais la Jérusalem céleste va descendre juste là, la Nouvelle Jérusalem. Elle va descendre dans, au-dessus de la Jérusalem actuelle. Et nous sommes arrivés là, mais nous voulons maintenant aborder autre chose, parce que c'est vrai qu'il nous a dit que Israël sera l'horloge de Dieu, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, où le Seigneur a parlé de ce figuier, nous visons encore cette écriture pour la dernière fois peut-être. Et Matthieu chapitre 24, du verset 32 au verset 35. Là, il est écrit ceci. Instruisez-vous ou bien tirez leçon par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Vous comprenez? Il est à la porte. Et le Seigneur dit ceci. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que le messager de Dieu pour cette heure, oui, Abraham, les prophètes messagers de cette heure, nous a donné ce conseil. Quand vous voulez connaître l'heure, regardez à votre montre. Quand vous voulez connaître le jour de l'année, regardez à votre calendrier. Mais quand vous voulez connaître l'heure, et la date, à la montre de Dieu, regardez à Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Mais nous voyons que, ici, il a parlé d'Israël en tant que figuier, selon ce qui est écrit dans Osée chapitre 9, verset 10, que Israël, il est comme un figuier. C'est parce que la Bible parle souvent en symbole, et l'État d'Israël est symbolisé ici dans ce passage par le figuier, dont le feuille devient tendre, c'est la restauration de l'État d'Israël. Israël a été dispersé depuis l'an 70. Israël n'était plus une nation. Pendant des siècles et des siècles, et ils ont été persécutés d'une nation à une autre, jusqu'à ce que nous sommes arrivés le 14 mai 1948, là où David Ben-Gurion, dans un hôtel de Tel Aviv, va proclamer la résurrection, la résurgence de l'État d'Israël. Et c'est un signe pour nous, c'est un signe pour les nations, pour savoir que le Fils de l'homme est à la porte et n'est pas loin. Et le Seigneur avait donné ce symbole-là pour savoir que quand vous verrez ce figuier maintenant en train de refleurir, de bourgeonner,
sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin qui est à la porte. Et quand on nous dit cela, c'est-à-dire que nous devons aussi nous préparer en conséquence. S'il est à la porte, pour aller à sa rencontre, il faut une préparation. Dans Matthieu chapitre 25, verset 10, et là où le Seigneur parlant de son retour, il parle de ces 10 vierges qui sont à la rencontre de l'époux. Et au verset 10 de Matthieu chapitre 25, il a dit que celle qui était prête, c'est celle qui entrait avec lui dans la salle de noces. De la même manière, aujourd'hui, il n'y a que celles qui seront prêtes qui entrent dans la salle de noces. Et comment l'épouse est-elle préparée? Elle n'est pas préparée à coût de millions de dollars. Elle n'est pas préparée à coût de millions d'euros ou d'autres monnaies. Mais elle est préparée avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur est en train de laver son épouse au travers du lavage de l'eau de sa parole, selon Éphésiens chapitre 5. Du verset 25 à verset 27, et il s'est donné lui-même pour cette église. Et il est en train de la laver par le lavage de l'eau de la parole, afin de se présenter à lui-même une épouse qui sera sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et réprochable. Ce qui veut dire que cette épouse sera hausse de ses os et chair de sa chair, et sur le plan spirituel, et sera parole de sa parole, esprit de son esprit. C'est pourquoi le Seigneur n'épousera pas une prostituée, mais il va épouser une vierge de sa parole. Et c'est pourquoi l'épouse ne peut pas sortir d'une dénomination. La dénomination, ce sont des prostituées. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, il nous est parlé de la grande prostituée. Non seulement la grande prostituée, mais qui est la mère d'autres prostituées. Et la grande prostituée. Et ses filles ne font pas partie de l'épouse. Mais, je suis sûr et certain, mais il y a eu des membres de l'épouse qui ont fait partie de ces églises, mais qui sont sortis afin d'être lavés, d'être purifiés de tout ce qui vient de Babylone et d'être prêtes pour qu'ils soient, comment je veux dire, ils soient accueillis par l'époux, qui est l'époux parole. Il faut que l'épouse aussi soit l'épouse parole. Alors, quand nous allons dans Luc au chapitre 21, Luc au chapitre 21, le Seigneur ici, c'est Luc qui rapporte, en parlant du figuier, il va parler aussi d'autres arbres. Si le figuier symbolise Israël, d'autres arbres symbolisent aussi d'autres nations. Lisons dans Luc au chapitre 21, du verset 29 jusqu'au verset 33. Et là, il est écrit ceci. Et il leur dit une comparaison. Il dit, voyez le figuier, ça c'est Israël, et tous les arbres, ça sont les autres nations. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, celle qui verra cela, ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, Luc ajoute un détail que Matthieu n'a pas mentionné. Matthieu a seulement mentionné le figuier, c'est-à-dire l'état d'Israël. Mais ici, Luc, il parle du figuier, de l'avènement de l'État d'Israël et de l'avènement d'autres États. Et nous allons voir que tout cela, ce sont des signes prophétiques pour nous dire que le Seigneur est réellement à la porte. Alors là, je vais vous ramener dans des choses terrestres, des choses que vous connaissez. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, ils savent que le 20e siècle, donc je peux dire depuis 1900 jusqu'à 1999, est un siècle qui va voir éclore beaucoup de nouveaux États. Des États qui n'existaient pas avant. Et des États que ceux qui ont vécu dans d'autres siècles n'ont jamais connus. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont vécu au 19e siècle n'ont jamais connu l'état du Ghana,
n'ont jamais connu l'État du Pakistan, n'ont jamais connu l'Inde en tant qu'État. Et nous voyons que le 20e siècle sera le siècle où, pendant le 20e siècle, où d'abord Israël sera restauré en tant que nation, mais à côté d'Israël, il y a beaucoup d'autres nations qui vont voir le jour. Et avant cela, il y avait des empires coloniaux, vous comprenez, qui dominaient le monde. Il y avait l'Empire britannique qui était un empire énorme. Les Anglais avaient des colonies partout, jusqu'en Chine, vous comprenez, jusque, je sais pas moi, à Singapour, ils avaient des colonies partout. Il y avait l'Empire portugais et qui avait des colonies partout en Afrique, en Amérique latine, en Afrique, partout. Il y avait l'Empire français avec beaucoup de colonies en Afrique et pas seulement en Afrique, mais dans le Pacifique aussi. Ils avaient des colonies et il y avait des Belges qui avaient le Congo belge et qui avaient aussi le Rwanda et le Burundi. Et il y avait les Allemands. À l'époque, ils avaient aussi la Namibie, qui leur a été arrachée après 15 ans après la Première Guerre mondiale. On leur a arraché leur colonie. Il y avait, en tout cas, il y avait les Hollandais, qui étaient prédominants en Afrique du Sud. Et c'est là où vient ce qu'on a, les Sud-Africains, là, qui sont là-bas, qui sont un mélange des Anglais et comment je veux dire, et des Hollandais. Et il y avait tous ces empires coloniaux. Et les Portugais en Afrique, ils avaient tous ces pays que vous connaissez, qu'on appelle les pays lusophones, comme le Mozambique, l'Angola, et c'est pas moi, tout ce que peut dire le Cap-Verde. Et tous ces pays-là n'étaient pas des États, c'était des colonies où ces empires coloniaux exerçaient leurs autorités, où ils étaient en train de piller les richesses naturelles. C'est grâce à ces colonies, grâce à ces empires, que l'Occident s'est enrichi. C'est grâce à ces colonies que la Grande-Bretagne est devenue une grande puissance économique, que la France est devenue une grande puissance économique, que les Belges, qui n'ont rien chez eux, et sont devenus une grande puissance économique. Et aujourd'hui, ce sont eux qui dominent le monde. C'est l'Union européenne qui est là. Et c'est grâce à ces colonies que le Portugal était devenu une grande puissance dans le monde, vous comprenez? Et le Seigneur dit, quand vous verrez le figuier et les autres arbres, quand ils vont éclore, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous voyons que au début du siècle, je vais m'aller plus loin, il y a des pays comme, des grands pays comme la Chine. Peut-être vous ne le savez pas, la Chine, c'est un pays qui a une civilisation millénaire, vous comprenez? Mais au début du 20e siècle, la Chine était occupée par les Japonais. Les Japonais colonisaient la Chine. Ce grand pays que vous voyez là-bas était entièrement occupé par des Japonais. Les Japonais occupaient la Corée. Hein? Et ils ont colonisé ce pays là-bas. C'est pourquoi en Chine, il y a eu cet homme qu'on appelait Mao Tse-tung, qui a mené une lutte. La guerre de l'indépendance, la guerre de libération. Et finalement, en 1949, et ils sont parvenus non seulement à chasser les Japonais, et Mao Tse-tung est parvenu aussi à chasser celui qui représentait les Occidentaux, qui était Chiang Kai-shek, qui s'est réfugié à Taïwan. Et ils ont créé la République populaire de Chine. Et c'est depuis 1949 que ce pays existe en tant que grande nation sur l'échiquier international. Vous comprenez? Et pendant la même période, il y a eu l'Inde avec Gandhi qui s'est libéré du joug britannique, qui est devenu un pays indépendant. Et il y a eu, c'était quand la colonisation britannique était là, il y avait l'Inde et le Pakistan, ils se sont séparés. Il y a eu deux pays différents, l'Inde et le Pakistan. Il y a eu, c'est pas moi, le Bangladesh, tous ces pays-là n'existaient pas avant. Vous comprenez? Et il y a eu comme ça, en quelques temps, en quelques années, plusieurs États qui ont vu le jour. Ne parlons pas du continent africain qui était presque entièrement colonisé. À part
quelques pays qui n'ont pas été colonisés, comme l'Éthiopie, à part l'Égypte qui était là. Tout le reste était occupé par nos amis français, avec nos amis portugais, avec nos amis belges. Et tout ça c'était des colonies où on a soutenu des esclaves, qu'on a vendus, qu'on transporte dans d'autres continents. C'était des pays qui étaient exploités, mais qui n'étaient pas des nations. Et à la conférence de Berlin de 1885, ils ont mis la carte de l'Afrique sur la table et ils ont commencé à se la partager en traçant avec des lattes. Hein, toi tu prends ça, et toi tu prends ça, toi tu prends ça. On s'est partagé l'Afrique comme on se partage un gâteau. Mais le Seigneur veut dire, quand vous verrez de nouveaux États en train d'éclore, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Vous voyez que la porte de Dieu est tellement merveilleuse. Même ce qui s'est passé sur le plan politique sont des signes annonciateurs du retour du Seigneur. Et nous voyons que les années 50 et les années 60 ont été les années de la décolonisation. C'est pendant ces années que l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Il y a eu, je crois que l'un des premiers, c'était le Ghana, qui a obtenu son indépendance. Et pour le reste, on ne voulait pas que l'Afrique se libère, mais finalement le général de Gaulle, il a dû céder pour commencer à donner l'indépendance aux pays africains avec son discours de Brazzaville. Et les Belges disaient, écoutez, aux Congolais à l'époque, que non, il faut attendre encore 30 ans pour avoir l'indépendance. Mais il y a eu tellement de l'agitation de la population que finalement, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accédait à la souveraineté nationale. Vous voyez, tout ça, c'était des signes prophétiques. Et regardez, rien qu'en 60, il y a eu une succession d'indépendances. Les pays obtiennent l'indépendance un à un. C'est pas mon Madagascar, le Bénin, qui était là à l'époque, le Dahomey, et tous ces pays, et le Congo, Brazzaville en face, tous ces pays ont obtenu leur indépendance en un temps record. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que c'était des signes prophétiques, montrant que quand le figuier et les autres arbres vont fleurir, vont commencer à voir le jour, alors sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous voyons que ce sont des signes qui annonçaient que la venue du Seigneur est plus qu'imminente, est plus qu'imminente. Mais les gens ont vu seulement des réjouissances, les gens ont beaucoup dansé, mais ce sont des signes prophétiques. Et nous voyons que les pays se sont libérés un à un. Même l'Afrique du Sud, où comment je veux dire, les Blancs ne voulaient absolument pas entendre parler de l'indépendance. Et aujourd'hui, c'est un pays, l'apartheid a été aboli. Et les Noirs sont au pouvoir dans leur pays. Ils sont 70% majoritaires dans leur pays. Et on a instauré la démocratie. Et depuis, le pays est indépendant. Et nous voyons que cela s'est répété sur tous les continents. Vous comprenez? Sur tous les continents. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. La Hollande avait des colonies jusque dans le Pacifique. Ces pays ont obtenu leur indépendance, comme le Suriname et d'autres pays. Et le Seigneur dit, quand vous verrez tous ces arbres commencer à éclore, sachez que le temps est proche. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous veillons sur la parole prophétique. Nous regardons à ce que le Seigneur nous a dit pour savoir en quel temps nous vivons et quel est le message du jour. Et nous voyons que le Seigneur ne ment pas. Il dit qu'il accomplira sur la terre promptement et pleinement tout ce qu'il a reçu de faire sur la terre. Et aujourd'hui, nous voyons que nous tendons réellement vers la fin. La venue du Seigneur est plus qu'imminente. Le monde ne voit pas cela, mais ceux qui sont de Dieu, ils veillent sur les Saintes Écritures afin qu'ils puissent voir en quel temps ils vivent et quelle est la parole de Dieu réservée pour cette heure. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, ne soyez pas simplement des religieux qui sont dans les églises en train de prier sans intelligence et qui font des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, de 20 jours sans intelligence, qui programment des campagnes d'évangélisation plutôt pour attirer des gens, pour avoir de l'argent. Et il y en a même qui vous disent, écoutez, aujourd'hui nous sommes telle date, par exemple, nous sommes, c'est pas au mois de juillet,
Et nous sommes le 7 juillet. Alors, amenez vos offrandes selon la date où nous sommes. Hein. Donc, donnez, c'est pas moi, 700 $, donnez 8 millions de francs congolais, des choses comme ça. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver dans l'Église. Les dons de Dieu ne s'émonnaient pas avec l'argent. Nous ne prêchons pas pour avoir de l'argent. Nous ne prêchons pas pour accumuler les biens temporels. Regardez, quand vous allez, par exemple, comment je veux dire, dans Actes chapitre 8, il y avait là un magicien qui s'appelait Simon. Quand il a vu que, quand l'apôtre Paul est allé, plutôt l'apôtre Pierre, est allé en Samarie, et qu'il priait pour les gens pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, cet homme qui était un cupide, regardez ceci, et il a proposé à Pierre de l'argent pour qu'il ait aussi le don de prier pour les gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il voulait en faire un commerce et que quand j'aurai ce pouvoir, j'ai dit à quelqu'un que pour avoir le Saint-Esprit, je vais te payer et tu dois me payer autant d'argent, autant de drachmes, autant de ceci. Et regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 8. Commençons par le verset 17. Il est dit: Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains aux Samaritains. Ils les reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, le magicien, c'est un ex-magicien qui s'était déjà converti, qui était baptisé par Philippe, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Voyez, il y a beaucoup de Simon aujourd'hui qui vont même chez les magiciens, chez les marabouts, chercher des dons pour pouvoir épater les gens dans l'église et se faire de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant, verset 19, accordez-moi aussi ce pouvoir. Voyez, lui, il voyait le pouvoir, alors que c'était un don, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est encore possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, je peux m'ajouter dans un filet amer et dans les liens de l'iniquité. Et ce que Simon était en ce temps-là, c'est ça que sont beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Beaucoup sont devenus des prédicateurs par aventure. Beaucoup sont devenus des prédicateurs par cupidité parce qu'ils ont besoin d'argent. Regardez par exemple, excusez-moi de vous parler de cela, quand vous allez dans un pays comme le pays qui est à notre voisin, qui est l'Angola, vous savez, il y a beaucoup de diamants là-bas, il y a des carrières de diamants. Alors, beaucoup de nos frères congolais sont partis tenter leur chance là-bas pour avoir un peu de pierres précieuses et pour s'enrichir. Vous savez ce qui est arrivé? Parfois, ils vont là-bas et ils ne trouvent pas, le diamant. Il n'y a pas moyen d'avancer parce qu'ils ne trouvent pas le diamant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font serviteurs de Dieu. Ils se font pasteurs. Ils se font évangélistes. Ils créent des églises là dans les carrières de diamants. Vous savez ce que c'est qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Pour que ceux qui attrapent les pierres et qui les vendent, qui ont de grosses sommes d'argent, alors qu'ils amènent la dîme, le dixième de ce qu'ils gagnent là dans les carrières de, qu'ils amènent ça et qu'eux puissent s'enrichir. Donc la motivation de leur formation d'église n'est pas le salut des âmes, mais c'est pour attraper de l'argent auprès de ceux qui vont attraper des pierres dans les carrières. Vous comprenez? C'est ainsi que beaucoup sont devenus des pasteurs. Beaucoup sont devenus des prédicateurs par aventure. Même ceux qui ne prêchaient pas, ils se sont débrouillés pour mémoriser des versets bibliques. Dans ce message, d'autres se sont mis à lire des brochures et ils ont écouté, Dieu m'a appelé. Dieu ne vous a pas appelé. Votre problème, c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et Pierre dit à Simon que tu puisses périr avec ton argent, puisque tu pensais que le don de Dieu sacré avec de l'argent, parce que je vois qu'il n'y a pour toi dans cette affaire ni part ni lot,
et que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Tu peux tromper tout le monde, sauf Dieu. Comprenez? Et Pierre lui demande de se repentir, si c'est encore possible, si ce n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit, afin que Dieu puisse le pardonner. Et nous voyons que Simon va se jeter par terre. Et Pierre lui dit, tu es dans un fil à mer et dans les liens de l'iniquité. Et Simon, il va se jeter par terre et dit, oh, Simon répondit, priez vous-même, verset 24, le Seigneur pour moi, afin que qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Vous comprenez? Et il y a très peu de gens qui se repentent comme ça, qui ont besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Alors c'est ainsi que nous avons parlé avant cela de la prolifération aussi des églises. Comment les églises vont se multiplier, comment les soi-disant serviteurs de Dieu vont se multiplier. Mais quand vous les écoutez, vous sentez réellement qu'il n'y a rien de consistant dans ce qu'ils disent. Ils peuvent être très intelligents, très instruits, mais la profondeur de la parole n'est pas en eux. Ils prêchent dans le vide. Et quand ils prêchent, les âmes ne sont même pas touchées. Peut-être les gens peuvent un peu bouger sous l'onction, mais il n'y a personne qui expérimente le salut véritable. Et c'est la raison pour laquelle, vous comprenez, ceux qui sont de Dieu, ils veillent à ce que Dieu a dit. Ils veillent à ce que, aux signes prophétiques que le Seigneur a annoncés. Et ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu des bouches autorisées, des bouches mandatées, des personnes que le Seigneur a appelées. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait qu'au travers de sa postérité. Ce qui est appelé postérité dans l'Ancien Testament, comme par exemple dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, il est dit, il appelait l'Éternel de le briser par la souffrance, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu. Et après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et ses mains sont les membres de son corps. Dieu n'accomplit pas son œuvre avec des simples religieux. Dieu n'a pas besoin de théologiens. Dieu n'a pas besoin de tous ces gens formés dans des séminaires, dans des écoles de pasteurs. Il n'en a pas besoin. Dieu, quand il appelle quelqu'un, lui-même l'équipe, il n'a pas besoin d'un professeur humain pour instruire. Regardez Saul de Tarse. Il était formé par l'un des meilleurs docteurs de son temps qui s'appelait Gamaliel. Mais Gamaliel a fait de lui un persécuteur de l'Église. Saul de Tarse. Il était tellement zélé avec les enseignements de Gamaliel et qui n'a pas reconnu la véritable Église, qui n'a pas reconnu l'œuvre de Dieu, il a commencé à persécuter l'Église. Vous comprenez? Et nous voyons que dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui mandate, c'est Dieu qui envoie. Et celui que Dieu envoie, c'est tel que la Bible dit, il dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie n'est pas un répétiteur de ce qu'il a appris dans une école de théologie. Dans une école, c'est pas moi, dans un petit ou grand séminaire. Celui que Dieu envoie, il dit la parole de Dieu, il est une lumière pour ceux qui l'entourent, parce que de sa bouche, on entend uniquement des oracles de Dieu. Vous comprenez? Parce que la semence de Dieu, qui peut produire des enfants à Dieu, la semence de Dieu, qui peut engendrer des enfants à Dieu, ne peut venir qu'au travers des membres de son corps. Cette semence ne viendra pas d'un corps étranger, non. La semence de Dieu vient uniquement au travers des membres de son corps. Et regardez, nous répétons cela tout le temps. Quand il a fallu que l'Église commence, elle a commencé où? Dans la ville sainte, à Jérusalem. Parce que le Seigneur avait dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cela va se passer à Jérusalem. Pas Hébron, pas Bethléem, n'allez pas dans d'autres villes.
demeurez à Jérusalem. N'allez pas à Jéricho, n'allez pas demeurer à Jérusalem, parce que il a été prophétisé par Ésaïe, il a été prophétisé par Michée, que de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Vous comprenez? Demeurez à Jérusalem, c'est là où tout va commencer. C'est là où l'Église va commencer, c'est là où la parole va commencer. Et nous voyons qu'ils sont restés à Jérusalem. Et quand l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, c'est là où l'Église a commencé. Avant cela, il n'y avait pas d'Église. Avant cela, il y avait des disciples, mais il n'y avait pas d'Église. Parce que dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, c'est là où, pour la première fois, le Seigneur va mentionner le mot Église. Vous comprenez le mot Église. Dans Matthieu chapitre 16, je vais commencer par le verset 13, où il est dit, verset 13, Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Moi, le Fils de l'homme. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Une question très embarrassante. Quelqu'un qui est avec vous, qui vous dit, mais est-ce que vous me connaissez? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Et c'était tellement embarrassant que personne ne pouvait répondre. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cela n'est pas venu de Pierre, parce que ce qui vient après nous indique la source de l'inspiration que Pierre a eue pour répondre comme ça. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas une école biblique, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une école de théologie, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Vous comprenez? Et continue en disant, maintenant le verset 18, c'est ici où il est mentionné pour la première fois le mot Église. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, pas sur Pierre en tant qu'homme, sur ce roc, je bâtirai mon église, pas mes églises, mon église. L'église du Seigneur, elle est unique, mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la première fois où le Seigneur a parlé de l'Église. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était le commencement de l'Église. Parce que la véritable Église, c'est son corps. Et comment entre-t-on dans son corps? Par le baptême du Saint-Esprit. Comme l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, que par un même esprit, nous avons été abreuvés, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et nous voyons que, et ce jour-là, le Seigneur a utilisé, non pas le souverain sacrificateur, pour annoncer la bonne nouvelle, il a annoncé un illettré qui s'appelait Simon, et qui a été, comment je veux dire, qui a été nommé par le Seigneur, il a ajouté à son nom Simon, il a ajouté Céphas qui signifie Pierre. Et nous voyons que c'est Pierre qui a annoncé la bonne nouvelle. Parce que l'œuvre de Dieu s'est faite au travers des membres de son corps. C'est Pierre qui a parlé ce jour-là. C'est Pierre qui a annoncé aux gens que les travaux à suivre pour expérimenter le salut. Il leur a dit, quand ils ont dit qu'ils étaient celui le cœur vivement touché, qu'ils ont reconnu qu'ils ont tué celui qui les attendait. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et cette recommandation de Pierre est valable jusqu'aujourd'hui. Quiconque baptise autrement, il baptise en don de la volonté de Dieu. Et ce jour-là, ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Et tous ceux qui rejettent ce baptême-là,
et il se prive de tous les desseins de Dieu pour cette heure. Quand il a fallu que la Samarie puisse recevoir la parole de Dieu, qui est-ce que le Seigneur a utilisé? Il a utilisé Philippe, qui l'a amené là-bas. Et celui qui a annoncé la parole, quand il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit, qui est-ce que le Seigneur a utilisé? Il a utilisé Pierre et Jean. Qui étaient Pierre et Jean? Les membres de son corps. Quand il a fallu que l'eunuque éthiopien puisse recevoir la parole de Dieu et qu'il puisse rentrer chez lui en étant sauvé, qui est-ce que le Seigneur a amené à côté du char de l'eunuque éthiopien? C'était Philippe toujours. Qui était Philippe? Un membre du corps. Et qui a baptisé l'eunuque éthiopien? L'eunuque éthiopien est parti chez lui maintenant avec le salut dans son âme. Quand il a fallu que les premiers païens, c'est-à-dire ceux qui, quand on dit païens, ce n'est pas un terme péjoratif, et quand il a fallu que les autres nations, en dehors d'Israël, puissent recevoir la parole de Dieu, qui est-ce que le Seigneur a utilisé? Il a utilisé Simon-Pierre, qu'on est allé chercher à Joppé, et il était chez son homonyme qui s'appelait Simon le croyeur, et quand il est venu dans la maison de Corneille, c'est lui qui a ouvert la bouche. Pendant qu'il parle encore, le Saint-Esprit est descendu pour confirmer que je suis d'accord avec ce que cet homme dit. Et vous tous qui avez cru, je vous salue du Saint-Esprit comme témoignage que j'ai agréé votre foi. C'est Pierre que Dieu a utilisé, que le Seigneur a utilisé. Quand il a fallu que Saul de Tarse, qui était un pharisien, puisse recevoir le salut, qu'il puisse recevoir la parole de Dieu, alors qu'il était sur le chemin de Damas. Qui est-ce que le Seigneur a utilisé à Damas? Il a utilisé Ananias. Qui était Ananias? Un membre du corps. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. C'est pourquoi, sur le monde entier, l'œuvre de Dieu s'accomplit au travers des membres de son corps. Ne l'oubliez pas. Et les signes prophétiques s'accomplissent devant nous. Et la véritable parole n'est apporté que par ceux que Dieu a connus d'avance. Ceux qu'il a, en qui il a mis sa parole. Il a dit à ses disciples qui sont devenus après des apôtres, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment le Père l'avait-il envoyé? Il l'avait envoyé en venant tabernacler en lui, en venant habiter en lui. Parce que la Bible témoigne que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et quand il a envoyé ses disciples, et il n'était pas resté cantonné au ciel, mais il est avec eux pour confirmer la parole qu'il prêchait. Regardez ce qui est écrit à la fin, je le vois, dans tous les évangiles. Et regardez ce qui est écrit à la fin de l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc, regardez, quand il a donné cet ordre de mission d'aller évangéliser le monde entier, au chapitre 16, et dès qu'il leur a dit, au verset 15, qu'allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'était l'ordre de mission. Et il a donné ce qui allait arriver, celui qui croira et qui sera baptisé au verset 16 sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru, ces miracles s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Quiconque ne croit pas cela n'est pas un croyant. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cet ordre de mission est valable jusqu'aujourd'hui. Maintenant, écoutez, quand il est parti, verset 19 et verset 20, il est écrit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Maintenant, je vous pose la question. Comment quelqu'un qui est monté au ciel peut-il continuer à travailler sur la terre? Il nous a dit ici que le Seigneur, après avoir parlé aux disciples, fut ravi au ciel, fut monté au ciel. Mais il nous a dit aussi, et ils s'en allèrent prêcher.
Ils sont restés longtemps les yeux braqués vers le ciel. Donc le Seigneur qui est monté au ciel est en train de travailler avec eux. Et expliquez-moi ça à quelqu'un qui est allé en voyage, comment peut-il être revenir à là où il était, en même temps il est parti, en même temps il est ici. C'est pour vous dire que le Seigneur est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et en fait, il est présent dans son Église au travers de son Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il était là pendant que les disciples ou les apôtres prêchaient. Lui, il travaillait avec eux, il confirmait la parole par des signes et par des miracles qui accompagnaient la parole de Dieu. Les signes et les miracles accompagnent la parole. Les signes et les miracles ne précèdent pas la parole. Si vous êtes dans une église où on présente simplement les signes et qu'il n'y a pas de parole, ça va faire à Jeannès et Jambrès, comme cela s'est passé en Égypte avec Moïse, et qui avait des miracles, mais qui n'avait aucune parole. Mais ici, les apôtres prêchaient, et c'est après la parole que les signes accompagnaient pour confirmer que ce qu'ils ont prêché, c'est véritablement ma parole. C'est ce que nous vivons dans nos assemblées. Nous prêchons d'abord la parole de Dieu, et le Seigneur confirme la parole par des miracles, par des guérisons, par des délivrances, par des choses extraordinaires. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, donc nous avons terminé ce cinquième point, le rétablissement de l'État d'Israël et l'avènement de nouveaux États. Et les gens ont vu seulement les indépendances africaines, l'indépendance de l'Inde, du Pakistan, l'indépendance de la Chine. Mais je vous dis que tout ça sont des signes prophétiques annonçant que le Seigneur n'est pas loin, qu'il est à la porte. Et s'il est à la porte, quel doit être votre souci de vous préparer? Et pour vous préparer, vous avez besoin de recevoir ce message, le message de Dieu pour cette heure, la parole de Dieu révélée pour cette heure, le message biblique du temps de la fin qui a été donné pour notre préparation, pour notre bien. Ainsi que Dieu vous bénisse richement, que ces choses pénètrent profondément vos cœurs et que vous puissiez les serrer dans votre cœur, comme il est dit du petit Samuel, qui ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et vous aussi ne laissez tomber à terre aucune de ses paroles. Et que Dieu vous donne la grâce d'être des dépositaires de sa parole. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine pour ajouter encore un point dans la parole prophétique qui s'accomplit pour notre temps. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.